un voyage de 5 mois en camping-car avec nos enfants sur les routes de la soie, de Tavel, notre village, au fin fond du Tadjikistan. Au festival Partir Autrement, je suis venu présenter mon film Ose ta vie. C'est un film que j'ai tourné en 2006-2007 quand je suis parti à l'âge de 19 ans vivre en Australie. Donc je raconte la vie au quotidien d'un étudiant dans Sydney avec des témoignages, des gens que j'ai rencontrés qui peuvent être aussi bien suédois qu'américains, estoniens. Voilà, la vie à l'australienne, le rêve australien. Je présente un diaporama musical d'un voyage que j'ai fait en 2006-2007 où j'ai essayé de rejoindre le Kamchatka en voiture depuis Paris. Je suis parti 14 mois, 50 000 km. Je suis parti seul, pendant lesquels j'offrais mon siège passager aux gens sympas que je rencontrais sur la route. Donc j'ai voyagé avec des Mongols, des Ouzbeks, des Russes, des Turkmènes. Il y a eu 20 pays traversés. Nous sommes venus présenter notre film « Huis clos islandais » qui retrace donc la traversée de l'Islande à pied, du nord au sud, entre une personne valide et une personne handicapée non-voyante. Le voyage s'est fait sur 22 jours et en autonomie complète, avec notre nourriture lyophilisée et 20 kg sur le dos, 25 km par jour. Et on est passionnés tous les deux de Grand Nord, c'est pour ça qu'on est venu jusqu'à Paris. Hein. On essaie de préparer des voyages qui nous amènent dans des régions de l'Arctique. Moi, je suis une autostoppeuse et j'ai envie de faire la promotion de l'autostop. On me demande souvent la question, mais c'est pas dangereux le stop? Et effectivement, c'est dangereux. À partir du moment où on reconnaît que c'est dangereux, bien, on peut commencer à se poser les vraies questions pour réduire le risque et puis s'amuser en voyage. Donc. Alors, on est venu présenter notre voyage de 2 ans autour du monde. Au départ, pour un voyage de quelques mois sur le continent américain. Et puis finalement, après quelques péripéties, on a eu des coups durs sur le départ, incendie du combi. On a dû trouver des moyens de s'autofinancer. Et puis finalement, voyant qu'on y parvenait, on s'est dit que ce serait trop dommage de s'arrêter. Et on a finalement passé 2 ans à faire le tour du monde, puisqu'on est parti d'Argentine, donc de la maison des parents d'Iris, pour rouler jusqu'à Brest, la ville où je suis né. Autour de la mer Méditerranée. Pendant ces 10 mois, en fait, on a fait des croquis sur le vif, s'arrêtait de temps en temps pour croquer un visage ou un paysage, une architecture. Donc voilà, c'est tout ça qu'on a édité dans un livre. Et on va aussi présenter un film diaporama qui présente un peu plus dans le détail le parcours de notre voyage. Au festival Partir Autrement, je suis venue présenter un film qui s'intitule « Quand s'élèvent les foies de la Pachamama » et qui reprend la trame d'un livre que j'ai sorti il y a quelques mois aux éditions Albin Michel, dont le titre est « Quand s'élèvent nos voies » et le sous-titre « Des Andes à l'Amazonie, une odyssée en terre indienne ». Et en fait, c'est un récit de voyage doublé d'une enquête. Et ce récit de voyage est un voyage à la rencontre des peuples amérindiens des Andes à l'Amazonie via un grand détour, donc via l'île de Pâques. Je suis venu présenter le travail des petits producteurs de café de Bolivie. C'est ABM REM qui a dû parler un petit peu de nos travaux à ABM Paris. Et du coup, ABM Paris m'a invité. Nous faisons, nous, des travaux de vulgarisation du commerce équitable. Nous avons présenté déjà 2 films à Rennes l'an dernier, l'année d'avant. Mon diaporama relate une escapade de quelques semaines de marche que j'ai fait en octobre dernier de l'île de Chiloé, où je réside aujourd'hui, jusqu'au sud du Chili, sud de l'Argentine. Et mon parcours se termine dans une estancia pour la tonte du mouton en terre de feu. Je suis ici avant tout sur le festival pour présenter mon livre « Aux 80 de la Patagonie » qui est sorti aux éditions Transboréal. Et vivant donc sur l'île de Chiloé, je suis rentré en France pour accompagner ce livre une partie de l'année. Et donc on m'invite dans divers lieux comme aujourd'hui sur Partir Autrement. Alors je suis ici venu présenter mon film « Sur la route du soleil levant » qui retrace mon aventure en vélo solaire de la France au Japon. C'est un projet que j'ai effectué durant l'été 2010. Départ de Chambéry, arrivée de Tokyo avec un vélo électrique solaire, donc fonctionnant en grande partie grâce à des grands panneaux photovoltaïques. Je suis venu présenter un diaporama numérique sur mon voyage en Australie effectué en 2010. Où j'ai traversé à vélo le continent de Perth à Darwin et me suis arrêté dans les communautés aborigènes Martou pour vivre avec eux et comprendre un peu leur culture. Alors je suis venue présenter un film que j'ai fait en accompagnant mes enfants
et leurs enfants qui sont partis en Afrique avec un spectacle de cirque. Et je suis allée les rejoindre deux fois, une fois en Mauritanie, une autre fois dans le sud, Ghana, Bénin, Togo, etc. J'ai filmé, j'ai monté. Je suis venue présenter un petit film sur mon projet, qui est la réalisation d'un jardin ethnobotanique en Amazonie péruvienne, dans la région Ucayali, avec la communauté San Francisco de Yarinacocha, qui est une communauté Shipibo. Le projet, en fait, c'était à partir d'un jardin qui était déjà entretenu par la communauté, d'un jardin botanique. Donc de valoriser ce jardin en installant des statues qui représentent les mythes Shipibo dans le but de créer des circuits en fait sur les mythes et légendes Shipibo. Je suis venu présenter notre dernier film qui s'appelle En Diagonale, un voyage vers la simplicité, et donc qui retrace un voyage qu'on a effectué il y a un peu plus de 2 ans en famille à travers la France à pied pendant 4 mois du printemps à l'automne. ABM, en fait, nous on connaît l'association depuis 3-4 ans et donc ABM nous a donné le goût déjà de partir. C'est un peu grâce à ABM qu'on a fait le gros saut. J'ai fait ABM Avignon et maintenant ABM Paris. Grâce à eux, je peux rentrer dans le milieu du festival du documentaire français. C'est eux qui m'ont ouvert les portes avec un film qui s'adresse plutôt aux jeunes. Alors ABM, c'est rigolo parce qu'en fait il y a 10 ans, lors de mes premiers voyages, j'étais dans le public. Je suis venu ici en quête de renseignements, en quête de découvertes. Et là maintenant, c'est 10 ans plus tard, c'est moi qui prodigue quelques conseils. J'ai toujours entendu parler de ABM. Et c'est vrai que pour moi c'est que du bonheur parce que Aventure au bout du monde, on le connaissait. Et on dit un jour, est-ce que j'aurai la chance de pouvoir y participer ? ABM pour moi c'est la plus grande organisation de voyageurs en France. ABM, c'est une association que j'ai connue en 2008 par l'intermédiaire de plusieurs amis qui en étaient membres. Et j'ai été séduite tout de suite par le sens du partage et de l'échange qui régnait dans cette association et par toutes les bonnes énergies qui entouraient les activités de l'association. ABM Rennes, avec qui j'ai commencé à travailler, m'a permis de montrer nos productions à du public, donc déjà m'a ouvert des portes. Donc ABM finalement m'ouvre la porte d'un certain public. Je connaissais ABM depuis de nombreuses années parce que j'avais vu le magazine qui est édité et puis j'avais idée effectivement du fonctionnement des associations, des antennes dans les villes françaises. C'est avant tout une possibilité de s'exprimer, faire des rencontres. Dans le monde du voyage, c'est quelque chose de connu et je suis content d'avoir pu aujourd'hui être venu à ce festival de Paris. Je sais qu'il y en a un peu partout en France. J'ai vu d'autres personnes qui m'ont déjà invité pour d'autres festivals. Alors, j'ai rencontré ABM grâce aux éditions Transboréales qui m'ont permis de présenter une conférence à Paris et ça me permet comme ça de faire des rencontres et de partager mon projet avec le public. Enfin, d'abord je rencontre des tas de gens qui font des tas de voyages, je vois des tas de films qui m'intéressent beaucoup. Grâce à ABM qui était là depuis le début du montage du projet, j'ai pu avoir un financement par Paris Jeune Aventure. Ensuite donc au retour, ils m'ont aidé à la promotion du projet. C'est l'occasion de venir présenter et partager surtout en fait notre vécu à travers le film. Donc ça permet d'échanger, de rencontrer d'autres gens qui ont vécu d'autres expériences. Partez autrement. 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 Partir autrement. Partez autrement.